L'Angleterre est à nos portes. L'envahisseur, l'Angleterre est à nos portes. Je vous dis, qui faut reconnaître, c'est un homme qui s'avance vers moi, un Anglais, forcément, il a un air très british, n'est-ce pas, monsieur? D'où venez-vous et qu'est-ce que vous fabriquez sur mes terres? Mais vous êtes un bodyguard? Vous êtes la garde républicaine de Margaret? Margaret? La vie. Ah, c'est pour la fête des mères, il faut vous célébrer. Mais fallait le dire, Madame Elisabeth. Oh, Madame la Reine-Mère, voyons. Oui, tout le monde vous regarde, tout le monde vous salue. On a vu que vous aviez besoin d'une protection très rapprochée. Cet homme fait très bien l'affaire, apparemment. Il est très docile. Ta gueule! Vous allez être, comment on appelle ça, en prison, hein? C'est du vu à la télé ou à la radio, je ne sais pas, mais c'est de l'imitation parfaite. C'est aussi hilarant. Oh là là là, eh ben écoutez les... Va falloir vous rendre les armes. Vous avez des armes? Est-ce que vous êtes menaçant quand même pour le peuple, hein? Je ne sais pas si la reine vous a confié des armes, là. Non? Il n'y a rien dans la poche? Ah, vous n'avez pas de hallebarde non plus? Vous parlez français un peu? Est-ce que vous me comprenez, là? Vous avez l'air complètement... Laisse-moi en paix. Oh, qu'est-ce que tu m'as dit, espèce de Bouddhi tout seul. Bodyguard. Tu me fais peur un peu, hein? Ouais. Ah bah ouais, t'es impressionnant. Tu parles un peu anglais? Yes. Haust. Ah, y'a m'aurait Now. Bon bah écoutez les amis, on a bien rigolé. Une imitation parfaite du petit cinéma qui est déjà en place depuis bien longtemps dans tous les mondes. Il y a de quoi se fendre la pipe. Oh bah oui, il est en train de redéfiler, c'est reparti. Allez, demi-tour droit et vous faites une salutation pour quitter la scène, monsieur. Bah d'accord, c'est parti.